que la ville de Cherbourg, qui consacre près de 20% de son budget aux affaires culturelles, puisse continuer à faire de la culture une de ses priorités. Et si je le dis ce soir, c'est que la tentation est grande chez certains de vouloir économiser sur le dos de la culture. Et que ce n'est pas un hasard non plus si les critiques se concentrent sur l'art contemporain. Vous connaissez tous l'importance que la ville de Cherbourg accorde à la présence de l'art contemporain dans la cité, mais il faut bien constater que l'art contemporain inquiète. L'art contemporain inquiète, l'art contemporain inquiète, l'art contemporain.